Qu'est-ce que c'est que ça? C'est exactement ce que j'ai dit. Tu apprécies ma nouvelle œuvre? Je l'ai construite juste pour l'occasion. Comment ça va t'aider à gagner la bataille laser? Facile, ça ne m'aidera pas. Cela va seulement permettre de détruire votre précieuse gare ultramoderne. Je vois, on retourne dans la salle. Je vais gagner ce dernier point et en finir maintenant. Mais Ben, des gens vont être blessés. Mais si je perds, Steve Smith a dit qu'il allait m'humilier devant tous mes fans. Ces gens t'aiment parce que tu es un héros, pas parce que tu peux battre un vieux crouton à un laser game. L'horloge tourne. Ma création va atteindre la gare d'une minute à l'autre. Tu n'as pas besoin d'orgueil si tu as l'honneur. Tu vois, Gwen, finalement, tu as raison. Hey, c'est toi le gamin que j'ai banni. Et voilà. Tu fais le bon choix. Ouais, je sais. Si vous voulez bien m'excuser, c'est l'heure d'être un héros. J'imagine que personne ne m'en voudra de réenclencher la partie. Mon train devrait arriver dans une... Qu'est-ce qui se passe? C'est un très joli point que tu as là, mais j'aime bien garder mon espace vital. Oh, c'est ce que t'as de mieux, boîte de conserve. Désolé, mon pote, mais tu vas pas réussir à me taper dessus. Voilà, voilà. Ah ben, je veux bien reconnaître une chose à Smith, son tas de ferraille est solide comme un roc. T'es peut-être fort, mais t'es beaucoup trop lent. Il va falloir que je trouve un moyen de le faire tomber de l'intérieur. Ah, ah, ce tuyau mène certainement quelque part. Inferno adore le feu. C'est super top. Oh, ce serait vraiment pas de chance si ma montre s'arrêtait maintenant. Mais bon, n'y pensons pas. C'est gagné. Je suis au bon endroit. Attention, robot, gardez vos boulons et votre charbon à l'intérieur du véhicule. Ouah. On va mettre cette cocotte sous pression. Bon, eh ben, j'ai intérêt à bouger avant que ça explose. Écartez-vous, il va exploser. C'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Maintenant, j'ai un duel à gagner. Je t'ai enfin battu, mon garçon. Vainqueur. Tu as peut-être vaincu mon remarquable conductobot, mais tu as perdu ta fierté. Ben, attends, tu n'as pas à faire ça. Non. Vos machines modernes étaient faites pour s'effondrer. Dépêche-toi, Gwen. Les moteurs de la révolution industrielle alimentés au charbon, c'est quand tu veux, représentaient la meilleure époque de l'évolution de la société. Enfin, tout le monde se rend compte à quel point tu es inférieur. Continue, petit. Tu dois lire tout le reste. Oh. Je me disais bien que tu n'aurais pas le cran de relever mon défi. Tu as perdu. Non, c'est vous qui avez perdu, vous allez en prison. Quoi? Ben non, mais relâchez-moi, j'ai gagné. Mais enfin, c'est moi le vainqueur, voyons. Bonne idée d'avoir appelé la police, Gwen. Ça a vraiment bien été bête. Ah, un de ces quatre, vieux schnock rouillé. Désolé que tu aies eu à faire ça. J'aurais fait n'importe quoi pour le faire arrêter. Je peux avoir une photo? Un sourire? Non, il faut...